Hello tout le monde! Aujourd'hui nous sommes le jeudi 8 mars. Il est 8h12. La Tounette a dormi jusqu'à 7h45 aujourd'hui. En fait, hier, rebelote, elle m'a fait la même soirée qu'avant-hier. Si vous voulez, je vous avais fait un post sur Instagram en vous disant que j'ai eu du mal à la calmer. Pendant 1h45, elle a pleuré, etc. Et en fait, hier soir, c'était pire. C'était vraiment pire que même après le biberon de 19h, elle se calmait pas, en fait. Je sais pas, elle avait vraiment du mal. On dirait qu'elle avait mal quelque part ou qu'elle avait de la peine. Enfin, je sais pas, c'était assez bizarre. Du coup, bon, elle a quand même réussi à dormir. Il était à peu près 20h15, 20h30, un truc comme ça, quand elle s'est endormie. Et du coup, ben, elle m'a fait sa nuit jusqu'à 7h45 ce matin. Donc, elle a super bien dormi. En plus, elle a pas dormi avec la tétine. Parce qu'en fait, quand elle s'est endormie, en fait, elle s'était un petit peu énervée dans son lit, un petit peu avant de s'endormir. Et elle avait enlevé la tétine. Et en fait, elle s'était endormie, donc, du coup, sans la tétine. Et pendant la nuit, j'y suis pas allée pour, en fait, la récupérer. Et du coup voilà, donc elle a juste repris la tétine ce matin vers 7h, ouais, vers 7h en fait quand elle a commencé un petit peu à bouger dans le lit. Et du coup je lui ai remis quand elle s'est réveillée, et elle s'est un petit peu, voilà, elle s'est endormie jusqu'à 7h45, là, en train de manger sa couverture, tout va bien. Pourtant t'as déjà bu ton biberon ce matin. Et là elle est toute sourire, on croira pas hein, qu'elle m'a fait la misère hier, hein. Mais oh, si vous aviez vu comme elle pleurait. Franchement, moi, je la reconnais pas quand elle est comme ça, parce que c'est vrai que c'est tellement rare qu'elle me fasse ça. Mais là, comme je vous ai dit, ça fait que la deuxième fois qu'elle me fait une crise comme ça. Du coup, ça m'a vraiment fait bizarre, je la reconnaissais plus, quoi. Et là, de nouveau, toute sourire. Hein, tout net, on croirait pas que t'as fait ta petite démon hier. Alors, je sais pas si c'est les dents, je vois rien. Pourtant, au niveau des gencives, pourtant, elle se frotte les gencives quand même, hein. Mais je sais pas, j'ai l'impression que je vois pas grand-chose au niveau des dents. J'ai pas l'impression que ce soit vraiment ça, ou alors c'est que ça se prépare peut-être, mais je sais pas, je sais pas. Bon, eh bien, j'étais tranquillement en train de manger mes bonbons que le facteur a sonné. Donc, du coup, je me suis dit que j'allais faire l'ouverture du colis avec vous. Je pense savoir ce que c'est, mais je suis pas sûre, on verra. Ah oui, c'est bien ce qui me semblait. Alors ça, c'est un produit que j'ai reçu gratuitement du site de la marque via le site Octoly, vous savez. Et donc en fait, c'est un spray démêlant des cheveux désobéissants. Alors j'ai choisi celui-ci parce que justement, bah, en ce moment, vous savez très bien que j'ai vraiment des soucis en ce qui concerne mes cheveux. Donc voilà, donc là, ça promet crinière lissée et hydratée, démêlage facile. Fini, glossy, il est comme ça. Et donc du coup, c'est une nouveauté. Et voilà, j'aime bien cette marque-là, Schwarzkopf. J'ai beaucoup de produits de chez eux. Et voilà, donc j'ai voulu tester. Il y avait pas mal d'autres produits aussi. Donc zéro effet carton. Et en fait, en ce moment, j'utilise... Attendez, je vais vous chercher celui que j'utilise. Donc en ce moment, j'utilise celui-ci. C'est celui aussi de chez Schwarzkopf, c'est la gamme Gliss Air Repair Ultimate Huile Précieuse, lait démêlant express, démêlage immédiat, nutrition, lumière et anti-casse. Cheveux secs, fourchus et sursollicités. Ça fait deux fois que je le rachète, celui-là, c'est une solution biphasée. Il me semble que celui-là aussi. Non, celui-ci, non. Donc voilà, ça me permettra d'utiliser autre chose que celui-ci. On verra ce que ça vaut. J'ai hâte de vous en parler. Appliquer sur cheveux humides ou préalablement essorés, diffuse le spray de manière uniforme et froisse légèrement les cheveux. Voilà, ben je vous en reparlerai si je trouve que le produit est bien. Là, il est 11h. On se retrouve encore dans la voiture. Là, vous allez vous dire, elle est tout le temps dans sa voiture, cette fille, c'est pas possible. Mais comme d'habitude, là on est jeudi donc on va chez l'orthophoniste. Ça devient franchement fatigant. Les allers-retours rien que pour l'orthophoniste pour une demi-heure, étant donné qu'il y a quand même pour traverser, enfin, pour aller au point de chez l'orthophoniste. Allez, je dois encore le laisser passer. Allez.
Il y a 20 minutes quand même de route, donc bon, 20 minutes aller, 20 minutes retour, machin. Oui, tu passes. Voilà, donc avec la petite qui est en plein repas normalement à cette heure-ci, là, vu qu'on a rendez-vous 11h30. Normalement, 11h30, c'est l'heure où elle mange, donc là, j'ai dû emmener la purée, le biberon, le réchauffer un petit peu avant, machin. Ça va encore être une galère pour lui donner la purée là-bas, parce que j'ai que le cosy du coup. Je vais essayer de la faire patienter jusqu'à midi, ou ça, c'en est fini. Comme ça, dans la voiture, après dans la voiture, elle ne réclame pas, mais. Et voilà, le temps du chemin. J'espère qu'elle va pouvoir tenir, mais je suis pas sûre. Allez, je vais chercher Nono. Bon, ça y est, j'ai récupéré le monstre. Je dis le monstre parce que. Il y a son maître qui m'a parlé. Apparemment, ça fait depuis le retour des vacances qu'il n'a pas envie de travailler. Qui se plaint, qui dit qu'il en a marre, qu'il veut pas, enfin voilà. Donc voilà, donc bah, on va encore parler, hein, hein Evan, Nolan? Non. Ah bah si. Non. Attends, moi je suis pas d'accord. Hein. Maman, il voulait emmener ma chauffeur. Non, 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 attends, non. On y va, Nono? Tu vas travailler? Tu vas travailler à l'orthophoniste. Correctement. Vous savez pas quoi? J'ai oublié la cuillère pour lui donner la purée. Bon, décidément, c'est la journée colis. J'en ai reçu un. Mais celui-ci, par contre, je l'attendais pas du tout. Donc, on va le lire ensemble. Je sais pas ce que c'est du tout, du tout, du tout. Ah bah c'est le balai que j'attendais du coup, je pensais pas l'avoir et vous savez je vous avais expliqué qu'ils étaient garantis à vie. J'avais envoyé un mail au vendeur, il m'avait juste répondu comme quoi oui effectivement c'était garanti à vie. Mais après il m'avait pas demandé, il m'avait pas expliqué les procédures à faire, pour les procédures à suivre pour avoir un nouveau balai du coup. Mais bon, nickel, bon, bah, super, en tout cas je vais leur laisser un bon commentaire parce que c'est vraiment sympathique de leur part comme ça de renvoyer sans rien demander. Très très bien, je suis contente. Bon là il est déjà midi et demi, je suis en train de donner à manger du coup à Tounette qui a gentiment patienté. Comme je vous avais dit que j'allais essayer de la faire patienter étant donné que j'avais même pas la cuillère en plus pour lui donner la purée. Donc là elle mange patates douces et carottes, elle aime bien. Elle a presque fini, hein Tounette. Et à côté, il y a monsieur qui fait à manger pour une fois. Parce qu'aujourd'hui, il m'a dit que vu que c'était la journée de la femme, il ferait à manger à midi. N'est-ce pas? Ouais. Donc, qu'est-ce que tu prépares? Ben, je vais faire ça, je vais faire un petit riz. Allez, je vais la faire à la culinaire. Je vais faire un sauté de poulet avec sa robe blanche de riz. Avec une sauce à la sa robe blanche de riz ou de sauce? Non, robe blanche de riz. Ah bon, et c'est une sauce à moi, comme à façon, avec plein de choses dedans, mélanger et puis on verra ce que ça donne. D'accord, bah je vais si bien voir. Si c'est bon, tant mieux. Si c'est mangeable, tant mieux. Si c'est pas bon, bah, on ira. D'accord. Pour voir. Ah oui, effectivement, t'en as fait beaucoup. Ouais, on mange bien à la maison. Non, 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 non. En fait, on n'est pas 19 à la maison, on est juste 4. Et là? Bon, ça va, ça va, ça a l'air bon. C'est juste de. On vous laisse un petit peu. Dans... C'est juste de la viande qui baigne dans. T'as de... pas mis d'épices? Je remettrai pas. Ah d'accord. C'est juste de la viande qui baigne dans de la crème. Pour l'instant. Eh, me salis pas toute la plaque, non, merci. Non, t'inquiète. Bon, je vais continuer à donner à manger. Alors, t'inquiète, t'inquiète. T'inquiète. Je sais bien que quand, ah bah avec un peu d'épices, ça ira. T'as rajouté quoi du coup dedans? Bon voilà, voilà, je me suis servi, donc il a fait poulet avec crème fraîche et épices, c'est ça? Un mix d'épices. Un mix épices avec donc riz, il en a fait pour 5, ouais non, même plus, hein. En moins pour 7 ou 8 personnes. Hein. Mais bon, on en aura pour 3 jours, ça ira. Mmh. Et ma petite salade que j'ai fait, enfin que j'ai mis à côté. Et voilà, bon appétit.
Prêt, madame? Alors là, t'es toute mignonne, hein, tout nette, hein. Mais ce soir, est-ce que tu vas me faire ton démon ou pas? Non? Non? Ou oui? Hein? Tu veux faire pareil, hein? Et la Tounette qui a pris le doudou de Nono. Bon là les amis, il est 5h30. Du coup, je ne vais même pas tenter de la mettre au lit, la Tounette. Hein, parce qu'en plus, vous voyez bien, elle n'a pas l'air fatiguée du tout pour l'instant. Je vais lui faire le bain tranquillement. Et toi, Nono? Je vais aller au télé, au bain. Toi aussi, tu vas aller au bain? Ouais. C'est quoi ça? Un pâte à manger. Pâte à ma soupe. Et demain les amis, c'est le grand jour parce que je vais me couper les cheveux tout court, tout court. Normalement tout court, hein, parce que je vais vraiment vont arriver normalement là. Vraiment ça va être court, hein, et là je suis vraiment décidée à sauter le pas parce que les cheveux finalement. Qu'il soit court, long ou... Ouais, donc je disais les cheveux, qu'ils soient courts, longs... Ça n'a plus d'importance pour moi. Tant qu'ils sont à peu près corrects, tant que j'ai pas du mal à me coiffer, ça m'ira. Voilà, donc... de toute façon, ça repousse les cheveux. C'est pas dur. Oui ? T'arrêtes de faire la folle ? Tu fais la folle ! Ah, je suis coincée. Voilà, oui, donc on verra. Hein. Je vous montrerai ça, je pense que... Alors, je vais pas filmer, je pense, au salon de coiffure, parce que j'ose pas, en fait. Mais bon, je vais vous montrer le avant-après. Et je pense que je vais... Et je pense que je vais même pas vous le montrer, en fait, sur Insta.
en photo, je vais vous montrer direct en vidéo. Pour laisser le suspense. Le suspense. Donc du coup, bah, vous l'aurez pas demain, vous l'aurez pas quand vous verrez ce vlog. Alors que j'aurais déjà les cheveux coupés. Mais vous verrez le lendemain. Tu veux clôturer le vlog avec nous, Nono? Non. Tu veux clôturer le vlog avec nous? Non. Là? Tu veux venir avec nous pour dire au revoir? Attends. Allez, viens. Alors, j'espère que cette vidéo vous a plu. On vous retrouve demain et on vous fait de gros... bisous. Bisous. Ah, et pas plat. Bye bye. Bye bye.